Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Barthélemy Noumati de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Augustin Kamouki de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 14, versets 5 à 18.
En ce jour-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. » Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avait son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée, les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, il eut très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte? C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous, vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fais-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. L'abîme les recouvre et descendent comme la pierre au fond des eaux.
Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 12, versets 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. » En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus est mis à l'épreuve par certains scribes et certains pharisiens qui se sentent menacés par sa personne, non pas pour des raisons de foi, mais de pouvoir. Avec la peur de perdre leur pouvoir, ils tentent de discréditer Jésus en le défiant. Ces personnes, souvent, c'est nous-mêmes quand nous sommes emportés par notre égoïsme et nos intérêts individuels. Aussi, quand on regarde l'Église comme une réalité purement humaine et non comme un projet d'amour de Dieu pour chacun de nous,
La réponse de Jésus est claire. Aucun signe leur sera donné, non par peur, mais bien pour souligner et rappeler que les signes sont la relation de communication et d'amour entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas une relation d'intérêt et de pouvoir individuel. Jésus rappelle qu'il y a beaucoup de signes donnés par Dieu et nous n'arrivons pas à lui en le provoquant ou en utilisant le chantage. Jésus est le plus grand signe. Aujourd'hui, la parole est une invitation pour chacun de nous de comprendre avec humilité que seul un cœur converti, tourné vers Dieu, peut recevoir, interpréter et voir ce signe qui est Jésus. L'humilité est la réalité qui nous amène non seulement à Dieu, mais aussi à l'humanité. Par l'humilité, nous reconnaissons nos limites et nos vertus, mais surtout, nous voyons les autres comme frères et Dieu comme Père. Le pape François nous fait remémorer. Le Seigneur est vraiment patient avec nous. Il ne se fatigue jamais de nous tendre la main à chaque fois que nous tombons. Ainsi, malgré nos fautes et nos provocations, le Seigneur a les bras ouverts pour accueillir et recommencer. La joie du chrétien est d'être reconnu par l'amour qui est dans votre vie, l'amour qui jaillit de Jésus. Alors, laissons-nous transformer. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.